Et bonjour à tous, c'est Jeux44 Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, donc une vidéo concours exceptionnelle sur Euro Truck Simulator 2, donc en solo. Donc avec des mods bien sûr, parce que comme on peut pas faire du convoi autrement dans Euro Truck. Donc voilà. Donc d'abord, laissez-moi vous présenter ce petit Kenmond Long Stas, excusez-moi, 556 de Dimitri 68. Donc qui est un très beau camion américain. Hein, j'ai rien à dire dessus. Donc voilà. Donc en petite vue intérieure, ce que nous avons, c'est que c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime bien ces intérieurs-là. Et surtout, une chose qui est vraiment très très cool dans ce camion, c'est que regardez, vous tournez tout à gauche, à droite, excusez-moi, hop là, et vous passez dans la petite cabine à l'arrière, donc qui est vraiment très très belle avec les banquettes et tout ça, l'ordinateur, la télé, le frigo, hein, c'est les petites vitres un petit peu partout, on voit le vigile là. Donc c'est vraiment magnifique. Moi personnellement j'adore. Donc je suis fan de ce camion depuis quelques jours là, que je l'ai vu en fait téléchargé. Donc voilà. Donc on va se remettre au volant. Donc il suffit de rester à gauche cette fois-ci. Hop là. Et on arrive ici. Donc vous voyez un petit peu la CB. Avec le petit écran du GPS qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc c'est vraiment un très très beau camion. Moi personnellement, je suis hyper fan. Donc quand vous allumez les phares, bah, c'est pareil, ça s'allume à l'intérieur. Tous les boutons, toutes les jauges et tout ça s'allument. Donc c'est vraiment très magnifique. Moi personnellement, je suis vraiment en kiff dessus. Donc voilà pour ça. Et notre petit chargement aujourd'hui est une nacelle d'éolienne. Donc que nous allons transporter. Alors attendez, je vais juste mettre le petit GPS. Donc nous allons aller à Strasbourg, la livrer. Donc la nacelle fait 33 tonnes. Et à mon avis, vu la longueur du camion, plus la longueur du plateau, donc du chargement, on va galérer dans les bretelles d'autoroute. Donc c'est bien pour ça que je l'ai prise, pour qu'il y ait un peu de fun dans cette petite vidéo. Donc voilà. Donc les liens de ces mods seront, excusez-moi pour le petit téléphone, attendez, je vais le mettre en silencieux. Donc les liens du camion et puis des chargements seront dans la description de la vidéo, hein. Donc il y a plein de remorques. Donc je vais vous faire voir un tout petit peu liste des remorques. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de remorques. Donc ça c'est ceux d'origine, on s'en fiche. Ça c'est pas d'origine là. Donc voilà, hein, il y a vraiment même des éoliennes, vous voyez, des pales d'éoliennes, on a des mâts d'éoliennes aussi, donc on a des grandes et des petites. C'est ça qui est vraiment très cool. C'est juste excellent en fait. Une toupie, hein, il y a vraiment un petit peu de tout, on va dire. Même des crônes, c'est bien d'ailleurs pour ça que j'ai fait une petite vidéo avec les presses Nyolande. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder. Elle est vraiment magnifique. Moi perso, j'ai eu pas mal de très bons retours sur cette vidéo-là. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et puis surtout de lâcher un petit like sur les vidéos si elle te plaît. Voilà donc. Petite voiture convoite comme ça, un Challenger, il y a vraiment vraiment de tout, une ensileuse, même un tombereau, une carrière, des grues aussi, des plateaux vides aussi, il y en a. Donc voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc vous voyez pour les pales d'éoliennes, le bout des nacelles, hop, hein, il y a vraiment 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 de tout. Donc tout ça sera dans la description de la vidéo. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas à y aller. Tout ça est gratuit bien sûr. Donc là on a encore une nacelle d'éolienne différente. Donc, voilà, même début. Alors, au moins comme ça, on peut transporter les gens sur le plateau. Non, je blague. Donc voilà. Donc on va pouvoir y aller. Donc
Je pense mettre des passages en accéléré un petit peu, couper des passages, mettre de la musique pour que ça soit un petit peu plus stylé aussi. Donc voilà, donc écoutez-moi ce bruit de camion. Bon, attendez, on va le remettre au démarrage. C'est parti. Puis le petit bruit de recul. À 4 vitesses le camion. C'est moi qui donne les petits coups de gaz. Donc voilà. Donc puis en accélérant, c'est pareil. Donc voilà les amis. Donc on va juste remettre les phares. Voilà, c'est vraiment magnifique hein, personnellement, avec toutes ces petites lumières et tout ça. Donc il y a un peu moins d'options que sur l'autre camion américain, que je vous posterai une vidéo aussi dessus. Mais c'est vraiment vraiment très stylé quand même. Option, ce que je veux dire, décoration extérieure et tout ça, hein, pare-buffle et tout. Mais personnellement, comme ça, je trouve très très bien. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc aussi un petit costume là-bas. Donc voilà. Donc les amis, bah, je vous propose que l'on y aille, parce qu'on a quand même 1124 km hein, pour y aller. Donc c'est parti les amis, let's go.
Yes, je le sens. It's extremely dangerous. Donc les amis, nous voilà arrivés à destination. Donc on va juste prendre le petit mirage là, ce qui va être assez serré pour rentrer ici. Voilà. Essayez de bien tourner les pneus. Voilà, je suis à fond, phare. Oh là là. Oh là, un poil trop long. Oh, on va faire un sacré embouteillage là. Là, impeccable. Oh, ça passe en fait. Je voyais l'entrée plus petite que ça. Allez, tiens, on voit qu'il y a déjà une pale d'éolienne qui est là. On va la reculer hein, pour faire plus stylé. Donc on a eu quelques petits accrochages, du coup ça nous a fait un petit pourcent de dégâts sur le chargement. Malheureusement j'aurais préféré avoir 0% de dégâts, mais bon c'est comme ça. On va essayer de pas reculer trop vite quand même. Tu les mets en vitesse numéro 3 lui. Voilà, mettre droite quand même. Hop là. T. Alors, satisfaisant. 2,5% de dégâts. D'accord. Bon, ce qui nous a fait quand même un total d'argent de 103 000 euros de plus et de 1387 XP. Ce qui est impeccable. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bon, on va juste aller là-bas. En tout cas, moi, ce que j'ai eu, c'est un réel plaisir de conduire avec ce camion. Puis le chargement. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Donc, si toi aussi t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Hein, et puis à laisser un petit commentaire si vraiment tu veux dire ce que tu penses. Donc voilà. Donc surtout, n'hésite pas. Et ça prend, allez, une minute top chrono de laisser un petit commentaire, de cliquer sur s'abonner et puis de cliquer sur le petit pouce bleu. Puis ça fait plaisir. Donc voilà les amis. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, donc @jojo44gaming, ou sur Facebook, le geek du pays de la Loire. Donc voilà. Voilà les amis. Donc les liens des mods sont dans la description. Donc n'hésitez pas aussi à aller les télécharger. Donc infraction. On se parle. Oh et oh. Donc voilà. Donc les amis, il me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée. Bon game à tous et ciao tout le monde.